Bonjour et bienvenue, on est de retour pour plus de Grounded. Donc on est arrivé au labo qui était qui est dans l'eau. On va s'équiper. Je crois que j'étais pas équipé. Ça c'est chiant parce qu'à chaque fois qu'on s'approche, ça saute. Dès qu'on s'éloigne, ça se ferme et tout ça, donc ça fait un boucan comme pas possible. Alors on a... on est bien, mais il va falloir se bouger un peu les fesses parce que on n'a plus rien. On n'a plus d'eau. Elle est où la gourde? Elle est là. Elle est vide. Ils ont pas l'air d'avoir mis quoi que ce soit pour l'eau ici, apparemment. Donc ça, c'est un peu un problème. Il y avait quoi là? C'est fait, oui, ok, ça marche. Donc on va explorer le laboratoire, évidemment. Donc on va voir un peu comment ça se passe. On a sûrement des robots, beaucoup de robots, je crois, dans celui-là. I'd get stronger if I ate these mussel sprouts. Ok, sympathique. Qu'est-ce qu'on a? Oh, ça c'est bien. Un peu plus de connaissances. Dis-moi qu'il y a de l'eau. Non, il n'y a pas d'eau. Oh, fait chier. Je crois que ça, ils les ont... Ah oui, je crois que quand j'avais commencé le jeu, parce que j'en avais parlé... Je crois qu'à la base c'était des stacks de 10, maintenant c'est 99 je crois. Parce que c'est un peu des choses que vous gardez pour augmenter différentes armes. Et du coup des fois ça... Ah, il faut aller là. Et du coup... il vous en faut beaucoup, j'arrive plus à parler, il vous en faut beaucoup. Alors attendez ça... j'ai du mal à trouver mes trucs, c'est tellement de bordel dans l'inventaire, voilà comme ça. Et ouais, je crois qu'ils ont augmenté ça à 99. Je pense bien, ouais. Il y a juste un trou, c'est tout. Ok. Bah, ok. Comment je suis censé faire quoi que ce soit maintenant? Faut que je sorte, c'est ça? Faut que je ressorte et qu'on fasse les autres ouvertures peut-être. Là j'avoue que je sais pas du tout. Je pense. Donc faut faire des allers-retours comme ça. C'est un peu roulé, non? Donc ça c'est verrouillé aussi. Là il y a rien à faire. Ça on l'a allumé. Ça c'est pour crafter. Du coup il y a quoi là? Verrouillé. Bon. Bah du coup est-ce que je peux sortir par là ou pas? Ah, un truc qu'on peut faire, c'est... Ah, attendez. Ouais, récupérer ça, là. Bon, par contre, il faut qu'on reprenne de l'oxygène. Faut que je regarde ce qu'il faut exactement. Vous savez, les trucs des abysses, là. Ils arrêtent. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des propulsions, là, pour... pour qu'on se mette pas. Ok, très bien. Pas grand chose. Alors, il faut creuser, c'est bien ce que je pensais. Ah, ça va vite, ça va. Ah, ça, voilà. Ça, c'est les écailles. Nickel. Je pense qu'avant ça prenait plus de temps. Oh là là, oula. Je sais qu'on peut se prendre des dégâts. Donc bon. Mais c'est bien pour remonter très vite au moins. Ok, si on pouvait en trouver un peu d'autres, quelques-unes, ce serait vraiment bien. C'est surtout les... Ah voilà. C'est surtout ça que je veux. Thank you.
Ok, cool. Ah oui, je crois que la dernière fois, j'ai pas pris un truc. Alors, regarde la carte. Non, ils le mettent pas. Mais je me rappelle avoir vu... Je me rappelle vaguement. Je crois que c'est là-dedans. Ah, j'ai plus de d'eau. Mon dieu, j'ai plus d'eau. Ça va être la galère. Non, mais il me faut de l'eau. Il me faut de l'eau. Il faut absolument de l'eau. J'avais oublié ça. On va devoir, devoir boire de l'eau croupie pour un moment. Alors, attendez. Je peux boire de l'eau comme ça ou pas? Il y a vraiment zéro eau. Ils ont vraiment rien mis. D'accord. Donc ils ont vraiment rien mis pour ça, c'est super. Je trouve vraiment ça un peu débile de rien avoir mis, mais... Pourquoi ne rien avoir mis? Sans déconner. Ou alors après c'est peut-être moi qui sais pas. Hein. Allez vite là, l'endurance là. Il nous faudrait plus de bouteilles, plus de... Ouais, non, je crois. Ouais, 113 secondes. Oh mon dieu, comment on remonte? C'est horrible cet endroit. Keep me safe. Safer. Y a rien, c'est bien, ça fait plaisir. Là. Ouf. Ah super. C'est vraiment bien, dis-moi. Ok, nickel. Ah tiens, elle dort. Je savais même pas qu'on pouvait en trouver qui dormait. Ah, honnêtement, c'est sûrement la première fois que je vois des coccinelles dormir. Je les ai jamais vues en stand-by comme ça en train de dormir en fait, au final. Ok, j'ai fait tomber très bien. Allez, on rentre. Donc on va se rééquiper. On va faire un tour à la base, on va se rééquiper, on va voir un peu notre équipement et tout ça. Dans quel état il est. C'est quoi qui m'aggro? Fourmi, je pense. Ah, on va un peu dormir et tout ça. Ouais, c'est une autre. Oh merde, je suis plein. Je crois que j'ai volé un truc. Chewy, but not bad. Très bien. Bon, on va pouvoir progresser. Je sais pas. Pas si on a assez de... Enfin, de toute façon, il fallait qu'on parte, de toute façon. Si on n'avait pas assez d'eau. Mais je sais pas si on va avoir assez de... d'arêtes. Ça m'embête, ça.
Parce que je voudrais bien faire le scaphandre là, parce que pff, franchement c'est quand même la galère l'eau. Allez. Quand même bien la galère l'eau. Être sous l'eau, hein, je veux dire. Fouf, eh ben. Très bien. Oh, on en a 5. Je crois que 5 c'est suffisant. Ah, vous voyez, maintenant il vient. Ça, c'est cool. 5, je crois que c'est suffisant pour faire notre ce qu'on veut. Je vais voir ça. On va d'abord l'analyser. Mais ça se passe bien, ça se passe. J'avais un peu peur que ce soit un peu plus chiant que ça, mais au final, ça va, il y a pire. Quoi. Alors, on a ça. Ah oui, ça c'est tout l'équipement Koi en fait, ok, cool. Je crois que ça doit être chiant à faire. De toute façon, j'ai fait toutes les armures dans le jeu. Hein. Donc, ça va, mais... Ok, donc tout ça, on avait déjà tout connu, enfin, tout ce que ça a libéré pour notre niveau, le niveau 8, c'est des choses qu'on avait déjà connues. C'est assez bien, parce que du coup, ça vous fait deux façons de découvrir les choses, ou d'analyser tel ou tel équipement, enfin, non, objet que vous trouvez. Si jamais vous trouvez pas tout, bah du coup, vous allez les débloquer par les niveaux de l'intelligence, là, c'est vraiment cool. Ah tiens, maintenant on peut décupler les objets, donc en théorie on pourrait décupler cette lampe pourrie là. Mais je sais pas vraiment si elle est mieux ou pas, j'en sais rien du tout, je comprends pas ce truc là, à quoi ça sert vraiment. Faudrait que je regarde les stats sur internet. No water filtration tablets needed. Très bien, on va déposer les nouveautés. Alors ça c'est nouveau, ça c'est nouveau. J'en sais rien en fait. De toute façon ça stack pas donc... Enfin non, je vais la garder de côté quand même. Voilà, très bien. Très bien, très bien. On s'approche, on commence à faire des trucs, c'est cool. Maintenant. Donc. Ça c'est quoi? Parade magistrale et armure légère. Je sais plus ce que ça fait, parade magistrale. Honnêtement, je sais plus du tout. Ouais, mais c'est chiant à faire. C'est que des trucs de toute façon dans l'eau. Y a pas à chercher 3000 ans. Alors, nous, on veut ça, le casque bulle. Il nous faut des brins de valisnerie. On en a que 2. Merde. Des brins? Comment on récupère hey, ça? Mr. Ant. Attends, déjà. Ah, on a une chaise. Sympa. C'est bon, j'en ai marre de faire ça. Donc, regardons où est-ce qu'on trouve ça exactement. Donc, branche hydrophobe utile pour attacher l'équipement. Coupée d'une grande fine herbe de valisnerie qui s'élève au fond de la mare. Ah oui, c'est parce que j'ai fait ça en fait. Du coup, ça m'a pris... Ok, d'accord, je vois. Ouais, on les a toutes utilisées en fait, ce qu'on avait, tout simplement. Ça marche. Pas grave. On a encore des baies ou pas? M'étonnerait. Ah si. On va dormir. Ah, attendez, on va peut-être mettre des plats à cuire.
Non. Pas la peine. Franchement, pas la peine. C'est bête, le truc que j'ai fait cuire, il a été cuit avant qu'on dorme. Du coup, je crois qu'il va... Il peut pourrir pendant la nuit, du coup. Varier, hop, très bien. Je vois un peu la gueule qu'il a. Ouais, ouais, ouais. Donc, faut vraiment le faire avant. Nickel. Un truc que je voudrais faire, peut-être, c'est avoir deux gourdes, par contre. Comment on fait les gourdes? Ça commence un peu à me gaver. On n'a pas la super gourde, en fait. On n'a toujours pas ça. La super gourde, je crois que c'est 4 charges d'eau. Donc, au bout d'un moment, on n'aura plus besoin de... On n'aura plus de problème avec ça. Mais je sais plus exactement comment... où est-ce qu'on la récupère, en fait. Pour la crafter, pardon. Non, pas ça, ça. Ah! Quoi? Bah ça se stack dans l'inventaire, en fait. Quoi? Attends. Hein! Pourquoi il les stack, hein, vu que c'est deux différentes? Ouais, c'est un peu chelou. Je pense que ça, c'est un peu une erreur, en fait. Nice and clean. Je pense que c'est surtout une erreur d'avoir fait ça. Mmh. Salt. Je suis bon, hein, pour lancer les lances, hein. Je suis bon. Il nous en faut un autre. J'aurais dû en récupérer pendant le chemin. The nose. Ah, j'ai plus d'endurance. Nickel. On va faire ça, on prend la nourriture, on se casse. Je pense qu'on va aller récupérer honnêtement des feuilles. J'ai envie de... Et après on fait un aller-retour encore. Ah c'est chiant. Ah j'avoue que c'est un peu chiant. Content de mon arbalète, qu'est-ce qu'elle fait mal cette arbalète, c'est ouf. Il nous faudrait ça aussi. Qu'est-ce qu'elle essaye de faire la fourmi? Parfait. Parfait, let's go. Là, c'est des pucerons là. Des mythes. Non, c'est pas des mythes. Ça carie, hein. Oh, combat avec fourmi soldat. Ouais, on va essayer de récupérer encore des plantes. Ah, faire encore un aller-retour, vite fait. Un peu chiant, mais... Ouais. C'est un peu le problème d'ici, je pense. Là, quand vous arrivez à ce labo, honnêtement, c'est très très chiant. Et encore, je le connais, plus ou moins, de ce que je m'en rappelle, quoi. Donc, c'est... Je sais ce quoi prendre... Donc on va plus vite que quelqu'un qui découvre, mais ça reste quand même bien long. On n'a pas fait grand chose encore une fois en 20 minutes. Il faudrait mettre des pots partout pour récupérer le soda. Alors très bien. Pardon.
Donc il nous faut les plans, donc ça du coup. Ah putain. Ah, c'est plus simple hein, quand même. De pouvoir tout le temps être dans sa gueule comme ça. Nettement plus simple. Hein. Non, c'est pas ça. C'est ça. Oh putain. Oh là là, qu'est-ce que c'est relou. Pas trop dur à prendre parce que honnêtement vous voyez qu'on en récupère honnêtement des trucs. Et merde. Ça va quoi. On en récupère des tonnes qu'on coupe et après il y en a toujours une qui tombe en fait. Puis ça va relativement vite si on fait le système de bloquer comme je fais là. Pour reset le mouvement. Ouais, très bien. On va reprendre un peu. On en reprend quelques-unes. Ah oh, putain, casse-toi toi. Peut-être pas. Il me cherche, hein, ce con. Hein. Il me cherche. Hein. Après il est un peu gros donc il peut pas aller partout hein, mais il est quand même agile hein, au final. Oh putain, sans déconner. Juste va-t'en de l'autre côté s'il te plaît. Je t'en supplie quoi. J'essaye de vivre. J'essaye de vivre. Est-ce qu'on peut boire directement? On peut faire ça. Ah ouais mais on la prend. Non on la prend pas dans la main, ça va. On peut directement regarder l'inventaire et boire en fait. C'est peut-être plus facile de changer de bras, des fois. Dans le sens où, genre l'équiper, ça que je veux dire par changer de bras. Ça, c'est pas très... Ok. Je vais arrêter de parler. Aïe, aïe, aïe. Fais pas demi-tour, je t'en supplie. Fais pas demi-tour. Vas-y, va loin, va loin, va loin. Parce que là, il y en a plein en dessous de moi, des plantes. Je dois bien les récupérer. Ah oh, putain, merde, j'ai pas pris la pull. Yes, go, 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 go. Évidemment.
Ça, ça fait mal, la deuxième attaque là. Il est vénère. Ah non non non. On est bon ? Saloperie. Ouais, je sais pas quoi dire. Tant qu'on est encore en vie, ça me va. Je vais pas... Je vais pas vraiment chercher de comprendre ce qui vient de se passer. Tant qu'on est encore en vie, c'est très bien. Je vais pas me plaindre. Not bad. Voilà, on va pouvoir faire notre scaphandre, c'est déjà ça. Et en théorie, je crois que là, on va avoir... on a quoi, 80 secondes en ce moment? Je dirais qu'on va peut-être avoir dans les 120 secondes, un truc comme ça. Ça va être plutôt cool. I don't want any trouble, oh, Mr. merde. Larva. Ah mon dieu. Je peux partir ? Ouais, merci. J'aime bien leur bruit. Merde. Très bien. Après, je pense que je prendrai un petit break pour améliorer la base, faire plus de choses différentes et tout. Je crois que je ferai ça de mon côté. Ça peut sauter des fourmis quand ça veut. Ok, nickel. Alors, fais voir, fais-moi rêver. Casque bulle, nickel. Parfait, donc plus besoin de ça. Plus besoin de ça, maintenant on a le casque bulle. Alors, apnéiste, tu peux rester sous l'eau plus longtemps. C'est bien ça. Nickel. Qu'est-ce qu'on a d'autre à prendre? Techniquement. J'essaye de réfléchir en même temps que je fais des choses. Rien. On peut repartir explorer. On peut repartir explorer. C'est bon, on est bon. Oh, le sirop apaisant. Très bien. On y va? Ouais, on y va. Pas de l'eau qui traîne, non, évidemment. Bon bah voilà, là j'espère que ça va être un peu mieux déjà. Après, pour l'équipement, on devrait peut-être changer, c'est vrai, parce que là, on a vraiment équipement de base aussi, genre équipement en asticot.
Aussi, il y a des sorts de plusieurs différents tiers, évidemment. Ça, je pense que tout le monde avait compris. Par rapport aux armures, ça veut pas dire que genre toutes les armures légères ont exactement le même nombre de points de défense, évidemment. Si vous avez une armure genre en asticot légère, mais que vous avez une armure en, je sais pas, genre en fourmi noire, qui sont bien plus tard dans le jeu, en léger aussi, bah du coup, ça sera beaucoup plus résistant, la fourmi noire. Donc il y a ça aussi. Faudrait qu'on améliore un peu notre équipement. Faire l'équipement par exemple arachnide, j'aime bien parce que en théorie je crois que ça met du poison quand on tape. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Après, je vais être honnête, on pourrait même passer à l'armure de la fourmi rouge. Même si le bonus entier est pas très intéressant pour nous, je crois qu'elle est quand même plus résistante que ce qu'on a. That should keep me safe. Safer. Ok, très bien. Eh, fais-moi rêver. 178 secondes. C'est très bien. Ben voilà, là ça va un peu mieux se passer. Attends, je vais peut-être pas aller là parce que je voudrais un peu regarder les autres... Attends, elle est où? Elle est là, là-bas, la structure. Parce que maintenant, est-ce que les trous là, est-ce qu'ils peuvent s'ouvrir tous ou pas? Je sais pas exactement ce qu'il faut faire maintenant. Je vais être honnête, je suis un peu perdu. Alors ça s'ouvre ou pas maintenant? Non. La merde. J'avoue que je sais pas quoi faire en fait là. Je sais pas où aller. Ah, le trident aussi, on peut potentiellement le faire. Il faut que je me mette un endroit d'oxygène là que je regarde. Ok, cool. Je vais voir le trident parce que c'est vrai que j'avoue que là, notre arme laisse quand même à désirer. Hein. Voir la dague osseuse à la limite. Ouais, dague osseuse ou trident, c'est toujours les mêmes choses de toute façon. Les mêmes choses. Just close your eyes and imagine it's a fruit pounder. Mais qu'il arrête pas de parler. Ah oui, il y a des coffres aussi comme ça où il faut trouver des clés. Je les avais toutes trouvées, je crois, quand j'avais fait ma première partie. C'est pas très compliqué de les trouver, faut juste faut se balader. Je pense savoir où est celle clé. Je crois qu'elle est dans cette direction. Allez, l'endurance, mon dieu. Je crois qu'elle est dans le... On va voir. Je sais plus exactement. On verra ça. On se baladera de toute façon. Bref. Très bien, très bien.
Donc ça, du coup, on peut rien faire. Je vais juste refaire hein, le tour vite fait pour voir si vraiment on peut rien faire. Ça m'étonnerait quand même. Là, il faut qu'on boive, évidemment. Nice and clean. Ah ouais, non, faut aller à ce côté-là. My mom always says I light up a room. Là, c'est bloqué. Là, c'était juste pour le coffre, je crois bien. Ah. Non, c'était pas juste pour le coffre. Yes, il y a de l'argile. Il y a une prise d'air, ça va. Très bien. Ouais, c'est bien ce que je pensais aussi. Ça m'aurait étonné que ce soit vraiment bloqué pour de vrai. C'est un peu chiant de devoir changer d'équipement tout le temps, mais bon. Vu que c'est dangereux quand même à l'intérieur. Voilà, donc maintenant. Mode auto du biodôme. Redémarrer terminal biodôme, ça marche. Dr. Applebaum has pronounced me in perfect health. For a man 20 years my senior, I must face the facts. The gray hairs, the wrinkles, they are not figments of the imagination. I can draw only one reasonable conclusion. It is the elusive fractional errors of the shrinking process which are the cause. Trudy has asked that I discontinue my experiments, but what choice do I have? If I quit now, I will have nothing. What will I be other than a failed inventor and scientist with no discoveries to his name, unable even to teach the basics of physics to a gaggle of hormonal teenagers? No! If this means that I must sacrifice 20 years of my life, then so be it. Espèce de saloperie, quoi. Comme ça. Allez. Non, tout ça pour ça. Il y en a quelque chose là derrière ou pas ce matin? C'est juste la couleur pour le scabby. Hein. Très intéressant. Ok, on peut toutes les enlever, mais ça ne sert à rien. On a quoi, 140 secondes encore. Yes, ça c'est bien. Je crois qu'on a fait le tour là. Donc du coup, auto du biome redémarré. Donc on a la trappe de la mare, la rampe d'accès au biodôme qui est ouverte. Qui fonctionne, donc ça va. Donc maintenant on peut agir, je crois. Oh mon dieu. Non attends, on va s'équiper pour de vrai. Je veux pas casser aussi mon équipement. Putain. Je crois que j'allais le tuer avant mais... Yeah.
Ok. On avait combien de... de portes fermées? Deux ou une seule? Genre là, on va où? Je sais pas exactement ce que ça fait. Ça. On a encore combien de... Ok, deux doses d'eau. Du soin. Ça aussi, c'est bien. On a que deux places, ça ira. Ah voilà, là on a le gros labi, le gros du labo en fait. Joli dégâts. Faire attention les boules à l'étage et tout ça. Ah, est-ce qu'ils sont des dégâts? Attention, faut que ça me brûle. Ça va, on se débrouille. Non, merde. Les effets et tout ça, ils sont super bien faits dans le jeu, je trouve aussi. Super beau, super classe. On les a analysés, ces robots. J'ai vu la... j'ai trouvé la carte. Ah si, j'ai eu la carte en or. Je crois. Oh, la vache. Ça va, progression, progression, c'est bien. Oh. Yes. Yes, yes, yes. Ah, si vous savez pas, hein, c'est compliqué hein, de savoir où sont les choses. On va prendre ça. Ça, je prends. Là. Alors je sais qu'on peut monter hein, mais je veux voir ce qu'il y a ici. Ok. A scientific breakthrough. Ça j'en ai besoin pour faire non, non je pense pas. Pour crafter la forge là. Faut que je regarde parce que la forge aussi je crois que je peux la faire maintenant. Mais j'ai complètement zappé en fait. C'est pas grave hein. C'est pas très important. Mais il faut la faire aussi quand même. Genre forge. Ça, il m'en faut des pierres là. Pour faire ces pierres là, il faut tout simplement, je crois, utiliser celles que j'ai en plus. Je crois, non? Je sais pas, je regarderai quand on sera... Bah attendez, on peut pas en faire là? Fabriquer. Oui, c'est ça. Si, il me faut un établi et je peux fabriquer. Oui, oui, non, mais je peux en faire, oui, oui. Non, mais j'aurais pu faire la forge depuis un petit moment, en fait, hein, tout simplement. Mais j'ai pas pris le temps de le faire, en fait. C'est bien ce que je pensais. Ça, je me rappelle que je l'ai appris, genre, super tard, pour faire, pour augmenter les armes et tout ça. Et au final, je fais pareil. J'ai l'impression que, je sais pas, faire la forge, c'est pas très intuitif pour... les morceaux de... les éclats en fait que vous trouvez. Ouh. Les éclats que vous trouvez. C'est peut-être pas très intuitif que genre plusieurs cailloux peuvent faire un plus gros caillou. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi c'est plutôt de la destruction. Ce serait plutôt l'inverse. Genre tu prends un gros caillou, t'en fais des petits. Mais bon. Après c'est pas grave. Voilà on y est. Donc ça, ce sont des choux de biceps, là. Ils poussent qu'ici. Alors, on va faire ça. Très bien. Ah,
Le super du père là. Ça c'est nouveau. On a l'augmentation. This time you've gone too far, Wendell Tully. You've done the unthinkable. Trespassed the unforgivable. You missed Thanksgiving dinner. Who can blame Trudy? I know that I pushed things to the breaking point and that she has grit her teeth and borne it. She told me that she could not bear to watch me destroy my life, let alone hers, the children's, in single-minded pursuit of this technology. Never in all the years of knowing her has she given me such a cold, immovable ultimatum. My science or my family. But if only she could see. I am doing this for them. I understand it has been hard. It has been harder on no one more than myself. If only I had more time. If I could just prove to them the wonders that are so, so close now, they would understand, wouldn't they? And if they did not, perhaps they never understood me at all. C'est parti. Ah voilà. Vous vous rappelez l'endroit où qu'on a vu un moment contre une paroi? Bah c'est là. Voilà, maintenant tout est ouvert, ok, ça marche. Donc on peut explorer. Dr. Tully must be one heck of an engineer to be able to build something like this. Ah oui, on peut regarder la petite vidéo, c'est pour la gym, je crois. Ouais. C'est débile. Mais c'est marrant. C'est chou-fleur, du coup. Anka est pincé. Légèrement à la fin, mais provoque aussi des douleurs. Le choix à donner, je repris, plus efficace pour améliorer des smoothies. On peut les utiliser dans les smoothies. C'est assez intéressant. Mais ils sont que là. Voilà. Ils sont que ici. Donc du coup, bah, c'est un peu chiant. Faire des allers-retours tout le temps. Ok. Nickel. Alors maintenant, voilà, maintenant on est ici. Ah bah tiens, on est juste à côté, autant en profiter. Ah, on va peut-être avoir besoin d'une carte. Je m'en rappelle à un moment où il faut des cartes. Ça c'est fait. Ouais. Carte de responsable adjoint. Et ça sera pour coffre. Il y a des pierres aussi, mais je sais. Je crois qu'il y a autre chose encore. Ouais, de toute façon, ça c'est bon. Il est juste là, ce con. Il peut pas dormir, c'est la nuit normalement. Il dort. Enfin, je crois que c'est la nuit. Mais il est censé dormir. Il y a un endroit où il reste sans bouger, en fait, dans un coin. Ce coin de poisson. Il commence un peu à me gaver. Je vais dans la bonne direction. Ouais. Il est exactement. Non, il est pas exactement où je veux aller, ça va. Ce que je veux aller, c'est sous la structure. Évidemment, faut qu'il remonte vers moi. Sans déconner. Je veux aller sous la structure. Dans le trou, là. Ok, on est bon. Par contre, notre inventaire est méga plein. J'avoue que je dirais pas non pour un coffre.
Après, je peux faire encore de la place, hein. J'ai pas... J'ai beaucoup de trucs que je peux jeter. C'est pas très grave. Même la deuxième gourde, on peut la virer. Hein. Alors... Ici, on est où? Ah, très bien. Okay, nickel. Un petit peu d'histoire. Mais vous imaginez la catastrophe que ça c'était avant? Genre ça, ces pierres là. Alors ouais, encore. Avant qu'ils mettent la limite à 99, je vous dis que l'inventaire c'était beaucoup plus compliqué que maintenant. Hein. C'était nettement plus compliqué. Hein. Je vais être franc, je crois qu'on a fini. Parce que pour le moment on n'a pas la carte, du coup on peut pas faire grand chose en fait. Ouais, je crois bien que c'est bon. Hein. Je sais qu'il y a d'autres ouvertures. Mais... franchement, autant y aller plus tard quand on aura... la carte. La carte, je sais plus exactement où la récupère. Je crois que c'est à l'endroit où il y a le gaz. Mais je suis pas 100% certain. Ce qu'on peut faire par contre, c'est aller voir notre petit robot et lui donner ce qu'on a. Donc techniquement, deuxième labo fini. Techniquement, on a gagné. Oh putain de merde. Allez, non, t'es sérieux? Ah mais il y a un trou là, elle passe par là? Ah, elle passe par... Putain, je savais pas qu'elle pouvait passer par au-dessus. Comme ça, là. Ah, je savais pas du tout. Ok. Je pensais qu'elle était bloquée dans la... Enfin, bloquée. Qu'elle tournait dans l'ouverture, en fait, du... D'ici, mais non, non, pas du tout. Intéressant. On apprend tous les jours. Analysis shows the spacer suffered a catastrophic failure in the embiggening cell. Okay. The embiggening cell stores and regulates interatomic energy transfer during the spacing expansion phase of the spacer. Put simply, it controls the rate of growth of the subject and prevents overexpansion, which can be quite messy. There is both good news and bad news. Which would you like to have first? Alors... Surprenez-moi. All natural flavoring is not, strictly speaking, natural. Now you know. The good news is that I have a spare cell here. The bad news, it is empty. The cell must be filled with a special mixture. A cocktail, if you will. Another breakthrough invention by Dr. Tully. Hold please while I push the recipe for the embiggening cocktail to your scabby. Processing. Processing. Error. Missing directory. The directory you attempted to copy does not exist. Boo-doo-doo. Boo-doo-doo. Cheese and fries. It appears the formula for the embiggening cocktail is not in my memory. It must be on one of the remaining super chips. We will need that recipe in order to fill the embiggening cell and send you home. Je vais être franc, des fois c'est un peu lourd de l'entendre parler. Il parle trop et sa voix elle est un peu irritante au bout d'un moment. I am sorry. It seems like the forces of nature are trying to keep you in this yard. But I believe you are here for a reason. Mais bon, c'est pas tous les jours donc ça va. Hold on to the empty cell for me. And when you feel ready, retrieve another super chip to see if we can piece this puzzle together.
Ok, donc on va aussi lui parler du rêve que j'avais montré dans l'épisode précédent. I'm afraid Dr. Tully did not program me for dream analysis, but I will do my best. Was it perhaps about electric beef? I have always wanted to have that dream. Why don't you describe your dream for me? J'ai été rétréci dans un bâtiment dominant. Aha! That confirms it. There are two spacers, just as Dr. Tully surmised. One in the yard and one at Ominent. He had a hunch that they continued his work on the spacer after he stopped working for them. It all computes. I do not believe these are just dreams. These are surely your memories. But perhaps they only return to you as dreams. So Ominent shrunk you, and now you are here. I am pretty sure you are not an Ominent secret agent. I was JKing. That was a test. You passed. So if you are not an Ominent agent, why would they be shrinking children? Surely I have no idea. Yet another puzzle for us to solve. Je vais être franc, je me rappelle plus vraiment de l'histoire. Je sais que c'est Ominent, Ominent, ouais. Bref, les méchants. parce qu'il y a Tully, là, il travaillait pour eux, machin. Il a trouvé la machine pour rétrécir, le spacer et tout. Et après, bien sûr, c'est une corporation qui était méchante, évidemment. Parce qu'il y a toujours un méchant là-dedans. Et du coup, il a arrêté de travailler pour eux. Il a continué ses recherches. Et aussi, je crois qu'il était... Je crois qu'il avait une maladie et ça potentiellement soigner sa maladie, de se rétrécir, un truc comme ça, et il a peut-être perdu la tête aussi au passage. Mais après, je sais plus pourquoi nous on l'est, pourquoi on a été rétréci. Je me rappelle plus de ça par contre. On the plus side, your memories must be slowly returning. If you have another dream, please come again. Mais c'est vachement sympa parce qu'on découvre plein de choses que là j'ai on va dire que j'ai un peu spoilé un gros morceau de l'histoire. Mais c'est pas trop du spoil parce qu'il y a énormément encore de choses en fait qui vont se dérouler. Et plus on en apprend et plus ça devient vachement intéressant parce qu'il y a plein de petits détails par rapport à cette histoire. J'aime beaucoup moi. How can I be of assistance? How can I help you today? Have an exponentially great evening. Have to keep everything nice and clean. Alors on a ça. Donc maintenant on peut dédoubler là, cloner des trucs plus chers, hein, j'imagine. On a quelque chose qui fait plus de 1000 ou pas? Pas vraiment. Ah, l'arbalète peut-être. Ah oui, 1100. On peut faire l'arbalète par exemple, 1100. Ah, c'est vachement bien ce système. Ça aussi, bulle. Les lanternes, les trucs spéciaux aussi, ouais, on pourra le faire. Genre ça, c'est 1000 aussi. Ah, ça, c'est cool. C'est cool, on a 7800, du coup on a des nouvelles choses. Fondation flottante, bon honnêtement ça j'ai jamais utilisé parce que j'ai jamais fait de bâtiment sur l'eau. Copains de combat, combattre aux côtés de vos amis et considérablement améliorer vos coordinations, vous subissez moins de dégâts amicaux causés par les tirs. Ça c'est nouveau ça, je pense que c'est nouveau ça. Les bases incurvées. Attends, est-ce que c'est ça qu'il me faut? Ah j'y ai pas l'image. Incurvé. Je crois que c'est ça qu'il me faut pour mon pour ma tour. Alors livre de recettes. Repas, on a natation, on a apnéiste junior et on a natation apnéiste. Ça je sais pas ce que c'est ça. Je vais être honnête, ça je sais pas du tout ce que c'est. On dirait de la bu séchée. C'est pas des de la viande des gros trucs là. Je sais plus comment ça s'appelle. Tapis local, étalement quand même, ingrédients de base d'eau, de peu fraîcheur provenant des éléments de calypso d'Ice Cap. Je pense que ça c'est les créatures, mais on pourrait les sécher du coup. Faudrait. Enfin, les têtards, voilà, je crois que c'est les têtards. Faudrait que je teste. Ça me dit rien du tout. Casse-cou, c'est pas intéressant pour le moment. Ouais, pour le moment on peut. Putain, on entend l'araignée se balader. Ça c'est quoi ça? Ça ça doit être des punaises d'eau je crois. Les petites là. C'est peut-être pas des punaises mais... Qu'est-ce qu'on peut prendre? Bon, de toute façon je sais pas trop quoi prendre. Le détecteur de ressources à la limite on peut le prendre comme ça on... Comme ça c'est fait, c'est un gros truc.
Les puces d'eau, voilà, les puces d'eau. Très bien, très bien, très bien, très bien. Donc... Bah du coup, ça fait notre épisode en fait, c'est pas mal. Ça fait notre épisode. Ouais, je crois que c'est ça ce que j'ai débloqué. Fais voir, fabriquer. Ouais, je pense que c'est ça. Je sais plus comment on fait les murs en champignons. Genre, si tu les broies, ça fait de la poudre, ça fait de la nourriture. Comment on fait les... Je sais plus du tout. Ouais, faudrait que je regarde ça. Ah, c'est des briques en champignons, en fait. C'est vachement bien. C'est comme si c'était des briques normales, quoi. C'est cool. Après, t'en fais tellement, parce que c'est très facile, en fait, d'avoir des champignons. C'est que tu peux prendre des briques et tu peux construire plein de trucs partout, des défenses et tout, de tous les côtés. Mais ouais, je sais plus exactement comment on fait, c'est pas grave. Mais je veux juste regarder les constructions. C'est où les murs? Les murs, c'est là. Ouais, je crois que c'est ça qu'il me faut. Ouais, pour ma tour. Je pense que c'est ça. Putain, c'est bien, il y a même des murs incurables. Oh, c'est cool. Ah, c'est sympa. C'est vraiment sympa. On va rentrer. Ouais, on va rentrer. Je savais pas qu'elle pouvait passer par là-haut. Là. Ah ouais, ça va directement dans le... Oups, je l'ai entendu pas loin. Ouais, elle est là-haut. Ça va directement dans le trou de l'arbre, en fait. Incroyable. Incroyable. On va construire la forge aussi, comme ça je vous montre. Mais ouais, on aurait pu faire tout ça avec des armes et tout ça augmenté. Bon. Oh, c'est quoi ça? Après, je vais être franc, on n'a pas eu de boss pour le moment. Je crois que ça sera au prochain labo. Faut que je regarde la carte aussi. Faut que je regarde un peu la carte. Mais ouais, je crois que là, ça va commencer à faire des trucs un peu forts maintenant. Je vais peut-être farmer. Je vais être franc, entre cet épisode-là maintenant et le prochain, je vais peut-être farmer. Faire du nouvel équipement et tout ça. Ah, très bien. Donc, Oup. Voilà, nickel. Donc je voudrais faire des pierres. Donc il en faut une de chaque, je crois. On doit les... Non. On va déposer les choux. Nickel, ça aussi. Ok, on est bon. Genre les smoothies là pour vous les montrer. Donc... Maintenant on peut choisir. Donc ça c'est aucun effet bonus, ça c'est bonus de santé bien dodu. Donc ça on récupère plus de vie en fait. Donc techniquement c'est vachement bien pour faire des soins. Donc ouais. Mais bon, extrêmement relou à récupérer hein, parce qu'il faut faire des allers-retours non-stop. Après le plus facile que j'utilisais moi, bon à part celui-là, t'as le duvet frappé hein, qui est vraiment simple à faire. Hein. C'est juste qu'il faut récupérer de l'argile de temps en temps, mais ça va quoi. Ça c'est hydratation. Ah hydratation ça c'est bien. Ouais, c'est vachement bien quand même. Parce que l'eau ça reste chiant, ça c'est pour les charges lourdes, ça c'est pour le combat, augmente l'attaque. Ouais les têtards là, je pense qu'il faut qu'on peut peut-être les faire sécher peut-être. Enfin, j'en sais rien, on verra ça, on testera. 1, 2, 3.
Pam, on va faire la forge, comme ça je vous montre comment ça marche. Tada. Pourquoi y a ce symbole là? Ça représente quoi ça? Il y a une araignée pas loin ou pas hein? J'ai l'impression, le bruit que ça fait. Je sais pas si elle me détecte dans mon camp. Alors, par exemple, niveau 1 normal, on peut prendre ça. Et on peut... Il faut faire des pierres à aiguiser fragiles. Du coup, je me rappelle plus comment ça marche. Ça... Il y a une autre façon de les faire ou pas? Je crois pas qu'il y ait une autre façon de les faire. Mais je sais que plus tard, on va pouvoir casser des blocs de pierres qui vont nous donner des pierres comme ça, en fait. Mais... Ouais, non, je sais pas honnêtement si y a un autre moyen de le faire pour moi. Je pense pas. Ouais, ça, par contre, c'est par 10 maximum pour le moment. Et du coup, là, on peut augmenter. Voilà, il en faut 2. On a des dégâts et de la résistance. Et ce qui était vraiment bien, ce qui était super important, c'est d'augmenter en fait les armes. Parce que la résistance, tout simplement. Ça augmente la résistance aussi. Et c'était vraiment primordial en fait avant. Plus tard, on pourra mettre différents éléments. Mais j'avoue que maintenant, c'est beaucoup moins... Honnêtement, il n'y a rien qui se casse. Il n'y a quasiment plus rien qui se casse. Qu'est-ce qu'on a cassé? Les lances? Parce qu'on n'arrêtait pas de les balancer. Mais là, il n'y a vraiment plus rien qui se casse. On a réparé peut-être une fois ou deux fois. Et en plus, on est mort. Ça veut dire qu'à chaque fois, qu'il y a un bout de résistance qui part. Donc j'avoue que je suis un peu surpris. C'est peut-être un peu trop facile de ce côté-là. Mais bon, dans un sens, garder les armures et tout ça, c'est bien relou hein, la plupart du temps. Donc, bon. Mais c'est vrai qu'on n'a plus vraiment besoin de colle non plus. Ouais, maintenant que j'y pense. Ouais, non. Je sais pas, je trouve que c'est peut-être un peu abusé. Je pense que c'est un peu abusé. Très bien. Voilà, nickel. Parce que l'arbalète, elle fait très très mal. Hey, Mr. Ant! Regarde-moi cette attaque de ouf. Voilà, on a ça de bonus. C'est quoi ça? Ah, ils vous mettent quel type d'arme? Quel type d'effet dessus, je pense. Non, pas ça, ça. Hisser les bannières. Fait chier les bannières. Fais voir une fourmi. Pour régler. Moi. C'est comme j'ai dit, combattre aux armes de tir, c'est vraiment bien. Bon, bah on va s'arrêter là du coup. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer encore d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah y a rien à faire en fait. Là j'ai tout fait, j'ai augmenté, j'ai... Ah oui, on peut regarder vite fait ce que je voudrais construire pour la prochaine fois. À part la base, parce qu'on a des choses que j'ai pas fait. Séchoir à viande, il m'en faudra un deuxième, j'avoue. Parcelle de jardin, je crois pas que j'en ai vraiment besoin pour le moment. Smoothie 1, ça suffit. Réserve d'eau, non. Récolteur de rosée, c'est bon, on en a 2, ça suffit. Il y a le roué, il y a l'établi, collecteur de... Il y a le broyeur qu'il faudrait faire, maintenant on a les pétales. Ouais, bah tiens, on peut faire ça vite fait avant de se quitter. Alors du coup, l'épisode va peut-être être un peu plus long, mais vu que je vais peut-être faire une pause après. Très bien. Normalement c'est assez proche, hein. je crois que c'est bon. On a aussi ce menu, mais des fois j'ai du mal à trouver les choses que je veux en fait. Honnêtement je préfère le menu comme ça. Non.
Genre je vais le mettre là, peu importe. Hop. Ah, j'ai la science. Donc là on peut faire... Alors ça c'est vachement intéressant parce que... Déjà par exemple de la fibre végétale, comme j'ai dit, on en a besoin quasiment tout le temps pour n'importe quoi. Et ce qu'on peut faire c'est qu'on peut recycler des choses. Donc là on peut recycler des branchettes, là des brins de plantes, la sous-marine, des tiges, des trèfles et des planches d'herbe. Et le mieux en fait c'est les planches d'herbe ou les tiges en fait, parce qu'il y en a beaucoup, surtout les planches d'herbe. Donc ouais, c'est pas mal en fait de faire ça. Ça en fait 5 de chaque en plus, là c'est 8. Et après ce qu'on peut faire aussi, ce sont des lisiers, de la bouillie de viande pourrie, tout ça, ça c'est pour, je crois, en faire des pets, hein, les animaux. Il y a les mouches qu'on peut faire, on peut faire les charançons, etc., etc. Donc ça c'est pas mal. Faut que je fasse plusieurs étages aussi, que j'ai des choses à plusieurs étages. Puis après on se cassera d'ici, hein, on fera une base ailleurs. Qu'est-ce qui me manque à crafter encore? Bah rien. Bah là j'ai tout pour le moment. Je sais pas si ça sert, s'il y a quelque chose à faire là-dedans. C'est juste un morceau de cheminée. Genre est-ce qu'on peut faire cuire des choses? Je pense pas. Il m'en faut 4, là 5. Là il me faudra encore des plumes de corbeau si je... Ouais mais c'est pour l'arc de toute façon, c'est pas vraiment important. Bah, quoique, je crois que j'avais fait des tests où quand ça disait arc, quand ça disait certaines choses, des fois ça fonctionnait en fait avec l'arbalète, donc faudrait tester. Je me rappelle de ça que j'avais fait des tests. On va peut-être voir pour des meilleures armes aussi. Bon, en tout cas je vais m'arrêter là. Ce que je vais faire moi, c'est que je vais un peu farmer, améliorer ma base, la faire plus grande, parce que je voudrais faire une tour en fait ici. Je voudrais pas faire un truc large, je voudrais faire un truc haut. Donc on va faire une tour. On va... Quoi d'autre? Bah, rien de spécial, on va se débrouiller, voilà. Puis après la prochaine fois, du coup, on regarde la carte. Alors, on a fait ça, on a fait ça. Donc maintenant je crois qu'on a le choix, on peut ou monter, mais bon c'est dangereux. Je crois qu'on va aller dans le gaz. Ouais c'est la troisième. Ouais je pense qu'on va faire le gaz. On a ça aussi. On a celle-là là aussi à faire. Ouais ouais ouais, je vais un peu mieux m'équiper et tout ça. Me balader un peu dans le périmètre aussi. Et la prochaine fois on reprendra et je pense qu'on va faire le gaz. À moins que je change d'avis sur quelque chose, mais je pense qu'on va aller faire le gaz. Voilà, ce sera tout. Ben, on a bien avancé, c'était un super épisode. Alors, en tout cas, à la prochaine du coup. Et faites attention à vous, ciao ciao.